Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Troisième et dernière ouverture des cartes Dragon Ball Super Card Game Beyond Generation, la B24. On est du côté des Dragon Ball Super Card Game Masters et non des Fusion World. Dans les deux premiers displays, pas de secrète, pas de god rare, alors peut-être que ça va tomber cette fois-ci dans ce beau display. On croise les doigts bien fort. Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com et vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji2024 hors promotion et précommande. L'ultime display B24 Dragon Ball Super Card Game Masters Beyond Generation en version française. Je ne dis pas que je n'en ouvrirai plus, mais en tout cas, c'est pas prévu. Pour rappel, à l'ouverture de la box, pas de carte SR ou SPR, mais une carte alternative des cartes présentes dans cette B24 et dans les deux premiers displays, j'ai eu 7 cartes de Kamehameha étincelant, magnifique Végétaux Super Saiyan 4 et Thalès Invasion des Crushers. Vraiment deux très très belles cartes alternatives. Je me demande ce qu'on va avoir dans ce display, ça risque d'être lourd une fois de plus. Le petit tour rapidos de ce display, et ce qui nous intéresse c'est ce qui est ici, la composition. La B24 se compose de 164 cartes au total. Il y a 60 cartes communes, 30 cartes peu communes, 29 rares, 18 super rares, 14 spéciales rares, ce sont les SPR, 9 spéciales leaders rares, nouvelle rareté avec cette B24, hein, donc ce sont des cartes alternatives des cartes leaders, 3 secrètes rares et une god rare. Je vais vous montrer les fameuses spéciales leaders rares. J'en ai obtenu une dans chaque display, donc ça par exemple c'est la leader de Tapion et ça c'est sa version spécial avec des petits effets supplémentaires, un visuel alternatif. Ça ressort pas des masses hein, avec la sleeve, mais bon, vous voyez qu'on est quand même sur deux visuels bien différents. Et c'est quand même bien plus premium avec cette version SLR. J'avais également obtenu celle de Son Goku Super Saiyan, début de la légende. Magnifique. Je continue le récap de ce qui est déjà tombé, comme ça au moins vous êtes au courant. Et niveau SPR, j'en ai eu une dans chaque display. Vegeta Super Saiyan 2, Assaut enragé et Gotenks Super Saiyan 3 face au démon chimérique. Voilà, deux très jolies cartes SPR. Et pour les cartes SR, il m'en manque seulement 3. Let's go, j'ai récupéré mon petit cucu, mon petit cutter. Je découpe le scellé. Cette box est bientôt libérée. Et on commence déjà par découvrir la carte alternative qui se cache derrière ce capot. Allez, let's go les potos. Suspense. Oh, Vegeta, très bien. Une petite carte de Vegeta, ça fait plaisir. Au moins, je ne suis pas tombé sur un double, c'est déjà ça. Vegeta face à face avec l'Empereur. C'est une carte alternative de la carte rare numéro 65. Alors, parmi les trois, je dirais quand même que c'est la moins jolie parce que moi, le vert, je ne suis pas ultra fan. Mais bon, c'est pas mal. On a du Thalès, du Végétaux Super Saiyan 4 et Vegeta. C'est très bien. Il manquerait plus qu'une Goku. Mais pour ça, il faudrait ouvrir un nouveau display. Let's go! Je vous rappelle que le visuel du booster est maintenant unique. Il n'y a plus 4 visuels comme auparavant. Donc voilà, je prends le premier. Je mets le display de côté et on va pouvoir commencer cette ouverture Beyond Generation B24. Le premier booster est ouvert. Allez, j'espère que cette ouverture va bien se passer, qu'on va faire tomber du lourd. Ça ferait du bien une petite god rare, hein. Ça ne m'est jamais arrivé, vous le savez très bien. On commence avec Freezer, second changement de forme. Videl, nouvelle vie. Une carte leader Tapion héros ressuscité que j'ai eu justement en alternative, celle que je vous ai présentée. Fruit de l'arbre sacré en paysage, force interdite. Beerus rencontre avec le pouvoir des dieux, Iru de Garn, Krillin rôle crucial, Zarbon départ de l'invasion, Crusher Corps de Thalès, Beerus. On est sur une carte rare en avant-dernière, pauvre imbécile, et qu'y a-t-il derrière cette carte rare? C'est encore... Ah non, j'ai cru qu'elle était encore en mode paysage, non, c'est une carte rare... Et c'est Son Goku Super Saiyan God. Donc les cartes rares, je les ai toutes, hein, de toute façon, avec deux displays déjà ouverts. Et surtout que le ratio était augmenté, donc facile d'avoir le full set des cartes rares. Allez, je mets de côté. Second booster, on a commencé tout doucement avec seulement des cartes rares. Freezer, second changement de forme, on est sur le même booster, a priori. Carte leader de Son Goku Super Saiyan, voici l'autre face.
Vegeta le pacificateur, Bulma hôtesse de la fête, Son Goku soin paternel, Son Goku encore, une carte horizontale, c'est moi qui dois te tuer avec Freezer. On continue, carte commune renaissance via haricot magique, Freezer test préliminaire, Bulma organisatrice de la fête, carte rare, Broly Super Saiyan 3, explosion express de rage. Allez, une petite SR, mieux ou pas. C'est une carte rare de Trunks Super Saiyan, mouvement imprévisible. Troisième booster, les potos. On commence doucement et ça continue doucement. On a eu que de la rare pour l'instant. Daizu Sbir Crusher, carte leader de Vegeta, splendide. Piccolo face au défi de Crusher Corps. Ayer Dragon aide à Son Gohan. Oi sorcier malfaisant. Son Goten rejoignant la fête plongée dans le combat. Rakatsei Sbir Crusher, force libérée du démon chimérique. Carte rare, Freezer transformation du désespoir. Attendez, je crois que j'en ai 3. Oui, c'est bien ça. À l'épaisseur, j'ai senti que c'était pas comme d'habitude. On n'est pas sur l'avant-dernière et on a une carte rare. Peut-être une belle surprise à la fin de ce booster. Donc, première carte rare, Freezer transformation du désespoir. Derrière, carte rare encore, Thalès invasion des Crushers. Et ce qui nous intéresse ici, c'est la dernière carte. Que va-t-on avoir? Une petite SLR, une SPR, une secrète, une god rare ou moins bien? C'est une SR. Le bas me parle, il me semble que je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas! C'est une des trois cartes SR que je n'ai pas. C'est parfait. En plus, je crois qu'elle a une belle cote, celle-ci. Attendez, on va vérifier. On est sur le site DBS Cards. Je vais mettre le filtre SR. Et elle est là. Elle coûte quasiment 5 euros. C'est pas mal pour une carte SR. Il ne me reste plus que 2 SR à obtenir pour avoir le full set des cartes super rares. C'est très sympa d'avoir des boosters comme ça avec 2 rares et une petite surprise à l'arrière. Ça augmente le ratio. J'aime beaucoup. Allez, on commence avec Trunks rejoignant la fête. Une carte leader, bon, on l'a déjà vu. Piccolo, retour sur le front, Irude de Garn. Une carte paysage avec la scène du Super Saiyan God, puissance Saiyan condensée. Son Gohan, rôle crucial. Beerus, jeu divin. Ki, déchaîné. Whis, soutien précis. Kale, Caulifla, préparation de Potara Fusion. Son Goku, Super Saiyan God, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Carte rare, avec derrière lui... Une carte SR à nouveau de... Ah, je crois que c'est une des cartes qu'il me... Ah non, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, je viens de vérifier, j'ai l'écran devant les yeux. Je l'ai déjà, donc c'est un double. En tout cas, elle est pas mal du tout. Et au niveau de la cote, je vois qu'elle est à 3,74€. C'est pas mal aussi pour une carte SR. Booster numéro 5. Bon, est-ce qu'on y croit à la secrète ou à la god rare dans ce display? J'aimerais bien y croire, ce serait bien hein, pour le troisième display ouvert. Une petite surprise, ce serait cool. Janemba, carte leader de Thalès, commandant derrière l'autre face. Son Goku, soin paternel, magnifique. Tapion. Début de la destinée, Thalès, puissance dévastatrice, le choc des titans, imploration de la résurrection du héros, Ginyu, Freezer, test préliminaire, Tapion, carte rare, bastion, anti-catastrophe, allez, allez, une petite surprise derrière, ah, ça a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal, les poteaux, est-ce que c'est une carte SR, est-ce que c'est mieux, voyons voir, c'est une carte SR. Elle est jolie. Ah oui, mais je l'ai déjà eu celle-ci et je la trouve vraiment, vraiment, vraiment très classe. Ça aurait pu être une carte SPR avec ce visuel, honnêtement. Vraiment très belle. Booster numéro 6. Ça fait quoi? Ça fait déjà 3 cartes SR quand même. C'est pas mal du tout. Bon, après, le ratio est bien supérieur hein, par rapport au display précédent. Ça a été augmenté avec la B24. Tapion surpassant la destinée. Tenshinhan face au défi de Crusher Corps. Beerus. Bulma. Carte paysage, fruit de l'arbre sacré. On continue. Carte de Minoshia, début de la destinée. Diffusion d'aura abondante. Cacao, Sbire, Crusher, Iru de Garn. Crusher Corpse de Thalès. Carte rare, Son Gohan, Gorille. Une petite Ozaru en avant-dernière carte. Et derrière, carte rare de Son Goku pour le bien de son fils. Booster numéro 7. Allez, j'ai envie de dire qu'il y a du lourd à la fin de ce booster. Avec un peu de chance, ce sera le cas. Freezer, carte leader de Iru de Garn.
Son Gohan face au défi de Crusher Corps, une carte bon, qu'on a déjà vue. Vegeta, Kamehameha étincelant, magnifique. Dodoria départ de l'invasion. Rakatsei, force libérée du démon chimérique. Carte rare de Freezer, transformation du désespoir. Il est temps de faire tomber du lourd sur cette ouverture. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ça va pas être mieux qu'une rare, je pense. Ah, c'est une SR quand même. Bon, voyons voir. Beerus, grandeur divine. Je l'ai déjà. Allez, elle va rejoindre les cartes SR en double. Booster numéro 8. Toujours pas de carte SPR, toujours pas de carte leader alternative. On commence avec Daisu's Beer Crusher. Minoshia, carte leader de Freezer. Tapion, réveil après 1000 ans. Thalès, puissance dévastatrice. Krillin, carte leader Z de Freezer. Freezer, départ de l'invasion. Diffusion d'aura abondante. Oi, assistance face au désastre. Carte rare, Iru de Garn. Allez, 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 allez. Une petite SPR, une carte leader. Non, on est sur une carte rare avec Vegeta face à face avec l'Empereur. 9e booster, ça avance, mais pour l'instant, rien de bien lourd sur cette ouverture. Bon, il y aura forcément de la SPR et peut-être une carte leader alternative, mais ça, c'est pas assuré. Tenshinhan, Videl, nouvelle vie, Son Gohan, Son Goku Super Saiyan 3, Son Goku et Vegeta en Super Saiyan 4. Carte paysage, boule d'énergie, qui déchaînée, carte commune, Beerus, jeu divin, encore commune, poisson prophète, carte rare, Thalès, invasion des crushers, allez, allez, non, ouais, carte rare, Beerus, caprice divin. C'est le 10e booster et on approche de la moitié de ce 10. Play, allez, allez, allez. Bon, après, si on garde le meilleur pour la fin, c'est bien aussi. Hein. Carte leader, Son Gohan, prémonition du carnage. Elle est vraiment belle, cette carte. Je sais pas si elle existe en alternative, celle-ci, mais si c'est le cas, elle doit être vraiment belle. Allez, on continue. Broly Super Saiyan 3, Tapion, rempart contre la catastrophe. Son Goku, Son Gohan, carte de Beerus en leader Z, Krillin, Dodoria. Rencontre avec le désespoir, Bulma, organisatrice de la fête. Carte rare, Whis, assistant du dieu de la destruction. Allez, mon petit Whis, fais-moi plaisir. C'est pas pour cette fois-ci. Vegeta, en plus on vient de la voir celle-ci, il me semble. C'est le 11e booster. On n'a pas fait mieux que des cartes SR jusqu'à présent. Faut espérer que le lourd arrive à partir de maintenant. Carte leader de Freezer, on l'a déjà vu. Son Goku Super Saiyan 4, Piccolo. Son Goku et Vegeta Super Saiyan 4, on l'a déjà vu. Son Goku Super Saiyan 3, plongé dans le combat. Freezer, force libérée. Beerus, carte rare de Beerus, caprice divin. Bon, Beerus, tu es un dieu. Offre-moi une belle carte. Ne fais pas ton ratchou. Ah, c'est peut-être le cas ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sur de la SR, de la SPR, de la super leader rare? Une secrète, une god rare. Allez, voyons voir. C'est une SR. On n'arrivera pas à dépasser la SR. Son Gohan, gorille, puissance déchaînée, je l'ai déjà celle-ci. Alors pour information sur les cartes SR, il me manque la Végéto Super Saiyan 4, attaque et défense étincelante. La Bardock, on l'a eu tout à l'heure, et donc il me manque aussi Son Goku face à face avec l'Empereur. J'espère tomber sur ces deux cartes SR, ce serait cool. C'est le 12e booster, nous sommes déjà arrivés à la moitié de cette ouverture les amis. Go, il est temps que les grosses cartes se manifestent. Carte leader de Iru de Garn. On continue avec Freezer, second changement de forme. Trunks, gardien de la ville. Son Gohan. Freezer en leader Z. Son Goten. Tapion, début de la destinée. Rencontre avec le désespoir. Vegeta, Super Saiyan 4. Ginyu. Iru de Garn sur la carte rare en avant-dernière. Allez, le gros Iru de Garn, qu'y a-t-il derrière toi, derrière cette grosse silhouette? Il se cache une carte rare seulement avec Thalès, invasion des crushers. Nous sommes sur le booster 13, le booster de la poisse ou de la chance. Alors, vu ce qui est tombé jusqu'à présent, ce booster 13 a toutes ses chances de devenir un bon booster et non un booster de la poisse.
Leader de Beerus, le voici, le voilà. Daisu's Beer, Crusher, Minoshia. Carte, bon, on l'a déjà vu plein de fois, déjà celle-ci. Bulma, Hôtesse de la Fête, Krillin, Désagrégation, Son Gohan, Différence de Puissance Écrasante, Whis, Soutien Précis, Iru de Garn, carte rare de Son Goku Super Saiyan, fin de l'affrontement. Que va-t-on avoir à la fin de ce booster numéro 13? Suspense. Allez, on monte. Bon, ça n'a pas l'air folichon. Bah, c'est une carte rare, hein, voilà. Booster 13, fidèle à lui-même, comme d'habitude. Eh bien, en toute logique, on est sur le booster numéro 14. Je sais pas où sont les belles cartes, mais elles ont du mal à sortir, hein, pour l'instant. Allez, leader de Son Gohan, prémonition qu'on a eue tout à l'heure. Préparation du combat acharné. Piccolo, Beerus, Minoshia, Son Gohan, Renaissance, Rezun, Dodoria, diffusion d'aura abondante, carte rare de Freezer, phase de transformation finale, avec derrière... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes... Non, il y en a deux, pardon, j'ai cru qu'il y en avait trois. Eh bien, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce qu'on fait tomber... Oui, il y a de l'effet particulier, là. On est possiblement sur une carte super leader rare, d'après moi. Qu'est-ce que c'est? On est sur une SPR. C'est pas une leader rare. Et qui est-ce? Thalès, rassemblement des destructeurs. Une belle carte SPR de Thalès. Bon, vous l'avez vu, hein, les SPR ne sont plus comme avant, c'est un petit peu plus sobre. On aime ou on n'aime pas, bon, c'est vrai que je regrette un petit peu les effets dorés, le titre en blanc et doré, enfin, ça fait plus très SPR maintenant. Elles sont belles, hein, mais il manque quelque chose pour que ce soit un petit peu plus premium. Bon, allez, c'est une SPR, je vais lui mettre une Dragon Shield Perfect Fit, et comme toujours, je vais la double sliver. Pour moi, il manque un petit truc pour dire vraiment ça fait SPR comme avant. Là, pour moi, on est quand même descendu d'un cran, hein, avec cette B24 sur les effets des SPR. C'est le 15e booster, on aura enfin eu une rareté supérieure à une carte SR, il était temps. Go! Allez, maintenant on veut de la SLR, on veut de la secrète, on veut de la God Rare. Carte leader de Son Goku, Super Saiyan début de la légende. On continue avec Tenshinhan face au défi de Crusher Corpse, Son Goten Super Saiyan, le Son Gohan en Ozaru, Goku et Vegeta Super Saiyan 4, Higher Dragon, Whis, Kakao, Imploration de la résurrection du héros, Trunks Super Saiyan en carte rare. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y en a 3. Oui, c'est bien ça. Je me suis pas trompé. Il y a 3 cartes. Est-ce qu'on va avoir une carte SR comme tout à l'heure à la fin de ce booster, ou est-ce qu'on va avoir mieux? Allez, on va regarder ça tout de suite. Trunks Super Saiyan, carte rare, avec une autre carte rare de Son Goku, hein, qui est magnifique. Kaioken libéré. Limite, celle-ci, elle est plus belle qu'une SPR. Allez, et derrière cette magnifique carte de Goku Kaioken, nous avons... C'est une carte SR. A priori, c'est carte SR. Oh, elle est belle. Elle est vraiment très belle. A priori, c'est carte SR à chaque fois qu'on a 2 cartes rares. Je l'avais déjà. Ça ne fait pas partie des 2 cartes SR qu'il me manquait. Booster numéro 16. Alors, est-ce qu'on va avoir 2 SPR? Est-ce qu'on va avoir une SLR à la place de la SPR? On verra bien, puisque jusqu'à présent, j'ai eu une SPR, une SLR. Pas de display avec 2 SPR. Leader de Vegeto Super Saiyan 4. Oh, ce visuel est vraiment dingue. Broly Super Saiyan 3, on l'a vu 1000 fois. Krillin, Son Goku soin paternel, Vegeta, le choc des titans, Rakatsei, le réveil du héros, Zarbon, carte rare de Gotenks, fusion de la fête. Allez Gotenks, t'es mon petit chouchou, alors fais-moi un petit cadeau sympatoche. Non, il n'a pas envie. Carte rare de Piccolo face à face avec l'Empereur. 17e booster. Il ne nous reste plus beaucoup de chances de faire tomber du lourd, mais ça reste possible. Allez, je sors les cartes et on commence avec Iru de Garn, cœur du désastre. Carte leader de Vegeta. Son Goku Super Saiyan 4. Krillin, la leader Z de Freezer. Iru de Garn. Kale et Caulifla. Beerus, qui déchaîné. Freezer, carte rare de Son Goku Super Saiyan 4, stratagème d'ouverture. Ah, ça a l'air pas mal ça, non? Le peu qu'on voit, ça a l'air pas mal. Ça me semble un petit peu travaillé, non? Bon, après, on peut vite déchanter aussi, hein. Ça peut être une carte rare. Qu'est-ce que c'est?
Oh, c'est une carte SR. Carte SR de Végétaux Super Saiyan Blue Union d'Étincelle. Je l'ai déjà. Et vous voyez, hein, les cartes SR ont récupéré le titre doré et blanc des cartes SPR. Et je trouve qu'elles font plus premium qu'une carte SPR. Regardez si je mets la SPR à côté de la SR. Si je ne vous dis pas qui est la SPR, franchement, moi j'ai l'impression que c'est celle-là. C'est le 18e booster. Attendez, c'est mal ouvert ça. Ah, quand je fais du caca, des fois ça porte bonheur. Allez, on va voir avec ce booster si ça m'a porté chance de faire du caca à l'ouverture. Allez, carte leader de Son Goku Super Saiyan. Irudegarn, Freezer, Vegeta, Sangohan, force du gorille déchaîné, Bulma, hôtesse de la fête, Kamehameha, étincelant, Beerus, échauffement, Freezer, départ de l'invasion, le réveil du héros, carte rare de couleur, assistance fraternelle. Hop, je soulève. Ah là, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, les potos. Qu'est-ce que c'est? On est sur quoi? Bon, on est peut-être que sur une SR encore, hein. Ou pire, une rare. Ah, carte SPR. On est sur une SPR, les amis. On aura fait tomber deux SPR, pas deux SLR dans ce display, du coup. À moins qu'il y ait une surprise et qu'il y ait une SLR en plus des deux SPR. Oh, et ben dis donc, on a beaucoup de Thalès, décidément. Destructeur errant venu de l'espace. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai aucun double sur les cartes SPR et ça, ça fait le plaisir. Je préfère 1000 fois cette SPR par rapport à celle-ci. Hein. Là, franchement, le visuel est pas mal, ça fait SPR, c'est travaillé, c'est sympa. Bon, y a juste les effets qui sont un peu en dessous par rapport à ce qu'on avait précédemment. Mais après, bon, voilà, il y a le petit effet glossy là sur le tourbillon. On a toujours les gravures au fond, les lignes qui sont en brillant bleu mauve. Bon, elle est quand même très jolie. J'ai vidé le display. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. On a obtenu 2 SPR. Est-ce qu'on va pouvoir dropper du plus lourd que ça ou est-ce que ça va être des boosters foireux? Bah, y a qu'un moyen de le savoir, c'est de les ouvrir. Allez, on commence avec celui-ci. 6e booster avant la fin, les amis. C'est ouvert. Je récupère le contenu de ce booster qui me cache à coup sûr une god rare. Vous êtes d'accord? Videl, nouvelle vie. Carte leader Végétaux Super Saiyan 4, Son Goten Super Saiyan, ailleurs Dragon, Tapion, Krillin, Zarbon, Rezun, Végéta Super Saiyan 4, différence de puissance écrasante, carte rare de Végéta Super Saiyan 4, avec derrière lui, à mon avis on est sur une SR, SR c'est bien ça, de Beerus et Whis et toujours pas de SR manquante pour moi. On tombe que sur des doubles. 5e booster avant la fin. Let's go, allez les amis. On y croit. C'est le 3e et dernier display Beyond Generation Dragon Ball Supercard Game Masters. Donc il nous faut du lourd ici. Amondo, Oi, Krillin, une carte paysage, Oi, Whis, Renaissance via Haricot Magique, le Poisson Prophète, carte rare de Janemba, Métamorphose Invincible. Allez Janemba, 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 non, carte rare, allez, ça sert à rien. Keifla, Super Saiyan 2, dotation de la puissance ultime. 4e booster avant la fin, le décompte est lancé, les taux se resserrent les amis. Il faut du lourd, il faut du lourd, au moins une secrète. Allez, au moins une secrète ou une petite surprise, une SLR en plus des deux SPR, ce serait cool. Beerus et Whis, Tapion, carte leader de Freezer, Amondo, Oi, Bulma, Sangoku, Poisson Prophète, Crusher Corpse de Thalès, Oi, carte rare en mode paysage, mélodie du héros. Bon, si t'es un héros, tu me caches une secrète derrière. On va voir ça. Go, 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 go. Ah bah ceci dit, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, les amis. Bon, on a des petites cuisses violettes. On est peut-être sur une SLR. Ah, c'est une rare. Ah, comme je me suis fait couiller. Oh là là, franchement, on aurait dit un truc bien mieux que ça. Carte rare. Ah, mais en plus, j'avais pas pensé à lui. Crusher Corpse de Thalès, rassemblement. Bon, ben, beaucoup, beaucoup de Thalès hein, dans cette ouverture. Et franchement, c'était trop trompeur, le bas de la carte, là. Ah, oh, je suis dégoûté. C'est le trio de fin. Et on y croit encore. Il faut y croire parce que sinon... Bah sinon, ça change rien au fait qu'on y croit ou pas. Puisque les cartes sont déjà à l'intérieur. Donc il va pas se passer grand chose de plus. Vegeta, le pacificateur. Piccolo,
carte leader de Beerus, carte, on l'a vu mille fois, Son Goku, carte leader Z de Beerus, Thalès, Kamehameha étincelant, Bulma, différence de puissance, Son Gohan, bon père en carte rare. Allez, bon père, bon ami, avec une belle carte derrière toi. Bon, il sert à rien, Gohan. Hein. Carte rare, Son Gohan, Gori. Bon, ben voilà, il nous montre sa version Ozaru. Super, au top. C'est l'avant-dernier booster. Donc, s'il doit se passer quelque chose, c'est maintenant. Bon, ça peut arriver dans l'ultime booster, hein, ça m'ira bien. Histoire de finir en beauté. Mais bon, là, je commence à plus trop y croire. Janemba, Piccolo, Tapion, Son Gohan, tu dégages. Son Goten, Iru de Garn, plongé dans le combat. Whis, soutien précis. Kale et Caulifla, carte rare de Beerus, libérant le pouvoir des dieux. Libère-moi une god rare. Montre-nous que tu en as. Go. Derrière cette carte rare, on a rien de fou a priori. C'est une carte rare, voilà, de Tapion Bastion Anti-Catastrophe. Ouais, ben la catastrophe, elle est en train de se produire, là, dans cette ouverture. C'est l'ultime booster Beyond Generation B24. Je découpe ce booster. Je récupère les cartes qu'il y a à l'intérieur. Je récupère le paquet dans mes mains. Tapion surpassant la destinée. Carte leader de Thalès. Trunks, gardien de la ville. Amondo, sbir, crusher. Son Gohan, rôle crucial. Minoshia. Whis, pouvoir au-delà d'un dieu. Le réveil du héros. Kakao, sbir, crusher. Le choc des titans. On est sur la fin. Son Gohan, gorille, calamité, déchaîné en carte rare. Je sens que ça va être pourrave. On va avoir une carte rare comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Allez! Ça briote, mais sans plus. Hein. Bah, carte SR. Histoire de me faire mentir sur la carte rare. Carte SR de... Oh, et voilà, j'ai même pas eu les deux cartes SR qu'il me manquait. Hein. C'est ouf. C'est l'heure du récap. Hein. Bon, les cartes rares, on en a eu à gaver. On va juste les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Je reprends mon souffle. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 cartes rares avec 24 boosters. Hein, vous le voyez, le ratio est bien plus élevé qu'auparavant. Les cartes SR, même chose, il y en a plus qu'avant. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9, avec justement la carte SR qui me manquait parmi les 3. Et les SPR, voilà, il y en a eu 2, pas de carte SLR cette fois-ci. Thalès, destructeur errant, venu de l'espace, très joli, hein, c'est ma préférée entre les deux. Celle-ci, elle est pas folle, comparativement, hein, il n'y a pas photo, celle-ci est plus belle. Bon, bah, vous me direz laquelle vous préférez, peut-être que certains préféreront celle-ci, un petit peu plus simple. Thalès, rassemblement des destructeurs. Voilà, pas de SLR, pas de secrète, pas de god rare, tout va bien. Je vous avoue que j'espérais une ouverture un petit peu plus sympa pour ce troisième display, ce troisième et dernier display. Bon, bah, je verrai si j'en ouvre un quatrième, mais franchement, je pense pas. On verra bien. Je vous rappelle que cette vidéo était sponsorisée par Parkage.com et vous avez droit à 5% de réduction sur l'intégralité du site avec le code PKBenji2024 hors promotion et précommande. Comme d'habitude, on discute de tout ça ensemble dans les commentaires. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et pensez à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !